on va droit vers une crise de régime parce que la Ve République est à bout de souffle. Je pense qu'elle le montre en termes électoraux. C'est quand même la vie démocratique et parlementaire de ce pays qui est atteinte par une telle abstention. Et elle est aussi à bout de souffle parce que elle facilite le mélange entre des intérêts personnels, des intérêts de parti, des intérêts financiers et des intérêts politiques. Et ce que je constate simplement, c'est que la présidence d'Emmanuel Macron ne va pas effacer ce qu'on a pu constater maintenant depuis deux quinquennats. Voilà ce que nous disons aujourd'hui. Justement, je vous rappelle que Madame Pénicaud, si je ne me trompe pas, est peut-être susceptible aussi d'être trempée dans une affaire. Alors là, autrement plus grave, qui est celle de Business France et du voyage à Las Vegas. Donc, à mon avis, tout ça n'est pas terminé.